Putain, la vidéo elle s'est coupée toute seule, bordel. Mais du coup, SCP, on va l'appeler. Je vous propose qu'on l'appelle SCP 038-L. Non. SCP 038-E. Parce que c'est le mien. C'est mon SCP. Et E, vous trouverez plus tard pour ce que ça veut dire. Sur ce, je vais encore tourner en rond pendant un long moment. Alors à partir de maintenant, mettez la vitesse de la vidéo à 2.0. Si vous le faites pas, vous êtes con. Et si vous mettez à 0.25, vous êtes une bite. Et oui, une bite. Ça va bien me manquer pendant un mois de pas toucher à ça. Aussi, me demandez pas pourquoi, c'est très compliqué, très chiant à expliquer. C'est juste que c'est inexplicable. Putain, j'ai du verre dans la chaussure. C'est bon, sinon ça c'est les chaussures les plus faciles et faciles à mettre et à enlever. Regardez. Pam, elles sont mises. Et pam, elles sont enlevées. Je raconte ma vie. Expliquez-moi en commentaire pourquoi les chaussures comme ça ont des lacets, s'il vous plaît. Oui, je sais, c'est des longs moments de blabla, très chiant et tout, mais c'est juste pour expliquer et tout, ça n'est pas mon vidéo. Je n'ai pas de vidéo comme ça. Donc du coup, je vais vous expliquer au détail près qu'est-ce que je ressens quand je vais dedans. Je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Oh putain. Je m'y tombe pas, putain, je m'y tombe pas. Je me casse direct, putain, mais ça date de quand ça? Bordel. Bon, les amis, je veux pas chuchoter au cas où, hein. Parce que je